Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour notre deuxième podcast d'Éco pour tous. Notre invité du jour, Pierre-Cyril Hocker, professeur à Paris School of Economics et directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Dans ses travaux de recherche, il utilise des méthodes et des théories des sciences économiques pour renouveler la compréhension de l'histoire financière et monétaire. Il nous éclaire donc aujourd'hui sur la dimension historique de l'inflation. Alors dans un premier temps, qu'est-ce que l'inflation ? Et quand et comment est-elle apparue? Donc l'inflation est habituellement définie comme étant une hausse générale de l'ensemble des prix ou de la moyenne des prix, une hausse qui dure un certain temps, mais tout ça n'est pas toujours défini de manière précise. C'est apparu depuis très longtemps parce que dès lors qu'il y a de la monnaie, il peut y avoir de l'inflation, c'est-à-dire les prix sont libellés en monnaie et les prix peuvent augmenter. Le premier exemple très connu d'augmentation générale des prix pendant une longue période, il est l'objet d'un récit et d'une analyse par un des premiers théoriciens de l'inflation qui est Baudin au XVIe siècle, qui explique que les prix ont augmenté depuis 100 ans à son époque et que c'est dû à l'importation massive d'or et d'argent d'Amérique qui fait que la valeur de l'or et de l'argent et donc de la monnaie a baissé relativement à la valeur des autres biens et que donc les prix des autres biens ont augmenté pour cette raison-là. C'est une inflation très lente puisque c'est de l'ordre d'un ou 2% par an mais qui continue pendant un siècle. Et dans ces cas-là, peut-on parler d'une crise inflationniste ? Alors effectivement, dans ce cas-là, on ne peut pas parler d'une crise inflationniste parce qu'une crise, ça suggère quelque chose qui est un peu aigu, qui est ponctuel, qui est soudain, qui est violent, alors que là, c'était plutôt une transformation très lente. Mais on a aussi, et ça dès l'Empire romain, dès le Moyen-Âge, des moments où on a des crises aiguës, mais qui sont plutôt liées là au fait que le contenu métallique des pièces de monnaie est altéré et perverti par l'autorité monétaire. Et donc, eh bien, ils vont augmenter le prix de leurs marchandises qu'ils donneront en échange du métal, en échange des pièces. Ils vont demander plus de pièces parce que chaque pièce aura une valeur en métal plus faible. Et ça, ça peut aller très vite parce que ce genre de falsification est fait par les États, par les gouvernements, les rois qui frappent la monnaie dans des périodes de crise aiguë parce que tout à coup, ils ont besoin de trouver des recettes et c'est une manière d'avoir des recettes très rapides qui peuvent doubler en quelques années. On a eu d'autres crises inflationnistes à plein d'endroits dans le monde depuis. Et quand c'est des crises, c'est très souvent lié à ce genre de problème de gouvernement cherchant à obtenir très rapidement des recettes en fabriquant de la monnaie d'une manière qui ne soit plus conforme aux standards de qualité monétaire que les gens attendent. Et ça, ça prend des formes très variées sur les moments. Et quelle est la différence avec une crise déflationniste ? Alors la crise déflationniste, c'est le symétrique de la crise inflationniste, c'est la baisse généralisée des prix. Et il y a un exemple extrêmement connu, qui est la Grande Dépression des années 30, pendant laquelle tous les prix baissent à l'échelle mondiale de entre 30 et 50% en quelques mois. Ce qui veut dire que les gens qui ont des biens n'arrivent plus à les vendre qu'à des prix très très faibles et comme ils ont des dépenses fixes qu'ils doivent payer, du type leur loyer, eh bien ils se retrouvent complètement ruinés à la rue, que ce soit les entreprises, les particuliers, etc. Il y a une espèce de spirale de faillite générale extrêmement rapide et toute l'économie s'effondre. Et alors là, les économistes en ont déduit que ça c'était la catastrophe absolue, qu'il valait mieux avoir une politique qui mène à une légère inflation plutôt qu'à un risque de déflation. Et donc depuis, toutes les politiques des gouvernements, des banques centrales, etc., sont destinées à éviter à tout prix ce risque absolu. C'est ce qu'on a vu en 2008, c'est ce qu'on revoit à chaque fois qu'il y a des crises graves. On veut absolument éviter le risque de déflation. Et ça, c'est très important pour comprendre les politiques qu'on mène depuis. L'inflation ne relève-t-elle que de l'économie ? Alors, sûrement pas. L'inflation affecte les gens dans leurs revenus et leur capacité de consommation, évidemment, mais aussi dans leurs relations interpersonnelles, parce que les gens sont inégalement affectés, et aussi dans leurs relations psychologiques vis-à-vis d'eux-mêmes, parce que leurs revenus, c'est aussi leurs relations familiales, personnelles, etc. L'inflation a donc des effets sur toute la société, et d'ailleurs, elle est à l'origine souvent de mouvements sociaux. On a eu récemment les gilets jaunes qui étaient liés à l'augmentation des prix de l'essence, mais un article récent de Maria Waldinger, une chercheuse que nous allons inviter prochainement à PSE, montre que l'analyse des origines de la Révolution française qui était faite par Ernest Labrousse il y a déjà plus de 60 ans,
dans laquelle il montrait l'impact des variations de prix du blé sur la révolution, mais elle l'a reprise de manière extrêmement détaillée avec des données régionales et données par localité, en montrant que dans les endroits où, à cause de la sécheresse de 1788 et des mauvaises récoltes, les prix avaient augmenté beaucoup, il y a eu beaucoup plus de comportements pré-révolutionnaires, de saccages, d'incendies, des cahiers de doléances beaucoup plus récriminants. Donc, il y a un effet de l'inflation sur des mouvements sociaux qui peut être extrêmement fort. Existe-t-il des bénéficiaires de l'inflation ? Alors, il y a des bénéficiaires de l'inflation, parce que l'inflation étant une augmentation moyenne des prix, mais il y en a qui font plus que la moyenne et d'autres moins. Et les gens qui vendent quelque chose à un prix qui augmente plus que l'inflation, en moyenne, ils vont gagner. Alors, ça se voit à tous les niveaux. Parmi les entreprises, vous avez des entreprises qui vendent des produits qui sont rares, comme en ce moment l'énergie. Ils font vendre à n'importe quel prix, et comme ils continuent, en gros, à avoir des coûts qui sont relativement stables, ils vont gagner énormément d'argent. Mais c'est le cas aussi des transporteurs de conteneurs qui, en ce moment aussi, sont en situation rare et donc peuvent augmenter leurs profits énormément. Mais il y a d'autres entreprises qui, elles, vont devoir acheter de l'énergie chère, ne vont pas réussir à augmenter leurs prix et elles vont perdre. Et parmi les salariés, c'est la même chose. Il y a des gens qui sont très mobiles, qui sont capables de bénéficier du fait qu'il y ait des tensions sur le marché du travail, changer d'emploi et augmenter fortement leur salaire. Et puis il y en a d'autres qui, au contraire, sont un peu bloqués dans l'endroit où ils sont, soit pour des raisons personnelles, soit pour des raisons professionnelles, parce qu'ils ne peuvent pas changer d'entreprise, etc. Et eux, ils ont de fortes chances de ne pas voir leur salaire augmenter et de perdre à cause de l'inflation. Donc vous voyez qu'au sein même de la même catégorie sociale, il y a des gens qui vont gagner et des gens qui vont perdre. Ensuite, ceux qui perdent toujours, c'est ceux qui ont des revenus fixes par nature, en particulier les gens qui sont porteurs de titres financiers à revenus fixes, que ce soit les comptes d'épargne pour les gens plutôt modestes ou les obligations à 10 ou 20 ans du trésor ou d'entreprise qui rapportent un revenu fixe. Et évidemment, si le revenu est fixe et que les prix augmentent, eh bien, ils y perdent. Donc voilà. Donc, en fonction des types de revenus qu'on a et de la position qu'on a dans l'économie, on peut bénéficier ou perdre lors d'une poussée inflationniste. Pour finir, quelles solutions envisagez-vous pour répondre ou atténuer la situation actuelle ? Alors malheureusement, je n'ai pas de solution miracle à vous donner, et sinon je ne ferai pas de recherche. Parce que la recherche, c'est d'étudier un cas particulier et d'essayer de rentrer dans une compréhension approfondie de ce cas. Et qu'on est en train de faire, beaucoup de collègues, c'est d'essayer de trouver des parallèles historiques dans mon cas, dans d'autres cas, d'analyser en détail la situation actuelle pour voir ce qu'elle a de spécifique. Il y a une chose qu'on peut dire d'emblée, c'est les solutions qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas penser qu'il y a une solution générale et toujours bonne contre l'inflation du type augmenter les taux d'intérêt. Ça, c'est ce que veulent faire de manière un petit peu frénétique tous les banquiers centraux dans le monde quand on ne les contrôle pas. Mais c'est une solution réflexe, ce n'est pas une solution réfléchie. Ensuite, on peut contrôler certains prix, ce que fait le gouvernement actuel pour les prix de l'énergie. Ça a des coûts, mais ça peut fonctionner. On peut subventionner certaines activités. Il y a énormément de solutions qui peuvent être prises en fonction de l'analyse précise des origines de l'inflation qu'on a en ce moment. On sait qu'en ce moment, il y a eu des chocs sur un certain nombre de choses dans l'économie qui ont provoqué le début de l'inflation, la crise du Covid, la guerre en Ukraine et d'autres qui conduisent à l'augmentation de certains prix en particulier. Ensuite, il faut analyser la transmission de ce choc, la manière dont elle se généralise ou pas. Et c'est à ce moment-là seulement qu'on pourra trouver la bonne solution. Je suis désolé, ce n'est pas forcément aussi rapide que ce qu'on souhaiterait. Merci beaucoup, Pierre-Cyril, d'avoir répondu à nos questions. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de PSE www.parisque.economics.eu. À bientôt.